Eh bien salut les amis, c'est Kermando, j'espère que vous allez tous très bien et on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de Super Mario Maker 2 sur Nintendo Switch. N'oubliez pas de laisser plein de pouces bleus et on va continuer à faire vos niveaux. Pour commencer, on fait un niveau de gros poulain qui s'appelle Deep Creepy Wreck. Il a dit que c'était un niveau aquatique sans lumière, c'est pas ça que je voulais faire. Ouais voilà, avec 3% de réussite, bah je comprends parce que généralement un niveau aquatique sans lumière... Bah je pense que c'est... ça s'explique déjà tout seul, enfin j'ai pas besoin de dire plus de détails quand même. Généralement c'est le genre de truc où il va y avoir des pièges, il va y avoir ce genre de choses, et nous, bah bien entendu, on peut pas le savoir. What? Pour l'instant il y a de la lumière. Alors je vais descendre dans le bateau, et là maintenant il n'y aura plus de lumière, c'est ça? D'accord, ok, donc ça commençait bien, et en fait, bah voilà. Heureusement les ennemis sont illuminés. Donc ça c'est quand même bien cool. C'est quoi ça? Oh, en plus de ça, il va y avoir des mécanismes. D'accord. Intéressant. Intéressant. Je pensais que ça allait être juste un truc super dur avec pas de lumière. Mais en fait, non, ça a l'air d'être quand même un petit peu plus réfléchi que ça. Donc, ok, ok, d'accord. Je l'ai peut-être jugé trop vite. Faut quand même faire attention. Voilà. En fait, oui, les pics, je pense qu'on peut facilement se les prendre. Il faut faire gaffe. Il y a des trucs là-haut là. Ok, ce sont juste des pièces. Il n'y a pas d'objectif de pièces, donc ça sert à rien de les récupérer. Ouh, ouh. Ouais. Qu'est-il en train de se passer là? Il faut qu'il aille détruire là-bas, non? Il faut qu'il aille détruire ça. Ok, bon, vas-y, viens. Et tu vas balancer les bois-bombes ici. Quand tu seras au bon endroit. C'est bon là? Non, toujours pas. Là, t'es assez haut. Oh mince, oh mince, il allait faire tomber le canon. Ce qui aurait été un petit peu dommage. Ok, d'accord, ok, c'est bon, je peux y aller. Il doit encore me suivre, je pense pas. Non, parce que le truc va se retrouver bloqué. Ouais, il va tomber dans tous les cas. Bref, on avance. Oh non! Mais non! Mais quoi? Ok, effectivement, je m'attendais bien à ce qu'il y ait des pièges comme ça un peu partout. Il y en a pas eu partout, mais ça commence déjà. J'ai essayé de pas me faire avoir cette fois. Normalement, le truc, il nous tombe dessus, non? J'ai l'impression. Tombe pas? Qu'est-ce qu'il fait comme mouvement? Ah non, il ne tombe pas vraiment dessus en fait. Attendez, mais je dois monter là, je saisis pas. Je pense que je dois monter. Sauf que comme je connais pas encore le niveau, d'accord, ok, très bien. Je vais probablement monter très vite. Ah mince, d'accord, je comprends. Ok, effectivement, alors ça va être assez compliqué. En fait non, c'est pas censé être si compliqué que ça. C'est juste que comme je le connaissais pas, là je me suis fait un peu avoir. Mais je crois qu'en plus les 6 sont synchro. Pas sûr, mais j'ai le sentiment. Alors je crois que j'ai pris trop de temps. Ok, c'est bon, parfait. Et là, très bien, parfait, ouf. Ça j'en ai besoin ou quoi? Non, il vient pas vers moi. Ok, si je dois quand même aller récupérer... Oh non, 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 le champi! Je peux le ramasser. Je peux, normalement. Bon, par contre, on a perdu l'effet... gris, là, noir et blanc. Je pense que c'est bien, non? Alors, je sauvegarde avant. Qu'est-ce qui se passe, là? Il va y avoir un boss? Non, enfin, il y a une musique de boss, là, donc... il y a de grandes chances, en fait. Mais je vois rien. Ah, mince. Très bien. Vas-y, il... D'accord, ok, parfait. Je pense que je vais aller rechercher le champi. Mais en fait, je peux tout casser, là, si je veux. Il revient, le truc, ou pas? Ah, mais attendez, mais s'il est sur ce machin... Ah, mais attendez, mais... Il va reprendre un coup. Ah, non, il peut pas reprendre deux coups. Non, mais il va prendre les pics, en fait, qui sont en bas. Ah, mais mince. Mince, les pics, ils sont pas très bien placés, voilà. Ok, parfait. Et maintenant... Il y a les pics en bas, non, c'est bon. Pourquoi j'en sors? En fait, faut pas que j'appuie sur le bouton de saut. Faut que j'appuie sur la croix directionnelle. Tout simplement. Ah, d'accord, ok, je vois. Je vois. Dommage que j'ai pas de transformation de feu. Mais normalement, ça va. Il est pas très compliqué à battre, lui. Quoi? D'accord, ok. Il a décidé de monter. Vas-y, 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 vas-y. Non, mais il a pas énormément de vie, hein. C'est bon. Enfin, il a 3 gros points de vie, mais... Enfin, il faut quand même lui faire perdre. Quoi? Il peut descendre? Je sais même pas. Allez, c'est bon, parfait. C'est pas passé loin, je peux passer par là. Ça m'a l'air plutôt safe comme endroit, non? C'est peut-être un secret. Par contre, j'ai ramassé aucune pièce rouge. Hein. Je sais pas si elles sont obligatoires ou quoi, mais j'espère pas, parce que là, pour l'instant, je suis presque sûr d'en avoir loupé. Hein. Ça serait étonnant que j'en ai pas loupé. Qu'est-ce qu'il y a par là? Ça se trouve, y a rien. Oh, c'est quoi ça? Ah si, on peut y aller, non? Ah ouais.
Moi, ça sert à rien, en fait. Enfin, je peux y aller, mais en fait, enfin, je perds du temps. Quoique, au moins, je me prends pas le gros pieu, là. L'espèce de truc à pic qui me tombait dessus. Donc, ça va. What? Quoi? Je dois être petit pour y aller? Mais que quoi? Qu'est-ce que je dois faire? Ok, donc déjà, j'ai perdu pas mal de temps, je pense. Oh là là, mais... Mais qu'est-ce que c'est que ce... Mais qu'est-ce que c'est que ce bazar? J'aurais dû sauvegarder. Je peux plus. J'ai tout cassé, je peux plus le prendre. Mais qu'est-ce que j'ai fichu? Ouais, bon, bref. Dans tous les cas, j'aurais dû sauvegarder après avoir ouvert la porte. Bon, alors, j'ai encore cassé un niveau. Je l'ai même pas vraiment fait exprès, encore une fois. Mais bon, j'ai un talent pour ça, on va dire. Bien, alors, franchement, j'aime pas du tout ce passage parce qu'il faut être vraiment super rapide. Et je comprends ce qu'il faut faire, mais il faut vraiment être rapide. Parce que, genre, il faut s'infiltrer là-dedans. Là, faut appuyer là. Et là, faut monter. Ça se joue vraiment à pas grand chose. Ok. Voilà. Ensuite, on doit appuyer là et remonter. Eh, c'est. Je dirais pas que c'est du pixel près, mais pas loin, pas loin. Ok, très bien. Ouf. Et maintenant, je monte. Beaucoup d'ailleurs, un petit peu trop. Ok. Je me demandais quand est-ce que ça allait s'arrêter. J'ai récupéré une pièce rouge. Je sais pas trop où, je sais pas trop comment. On va dire tant mieux. Parce qu'il faut que je les récupère, donc y a quoi là-haut? Il y a une pièce rouge ici. J'espère j'en ai pas loupé une en bas. C'est tout ce qui me fait peur. Et lui, je peux pas le ramasser? Oh non, 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 j'ai pas loupé de pièce rouge en bas, hein. Ah non, 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 tout sauf ça quand même, hein. Là, il y a Yoshi, ça c'est cool. Non, il y a qu'une seule pièce rouge ici. Ah, mais si j'ai loupé une pièce rouge en bas, je peux plus redescendre. Arrêtez de faire des niveaux, on est bloqué comme ça, c'est stupide. Enfin, ça fait que je suis obligé de me suicider pour avancer. Attendez, attendez. Ça se trouve, la pièce rouge, elle est ici. Ok, d'accord. Ça se trouve, non, hein, mais peut-être, peut-être, peut-être. Si elle y est, d'accord. Ok, si elle y est pas, je vais finir. Et je crois qu'elle y est pas, parce que sinon, on l'aurait déjà vu, non. Je peux pas le manger au travers, d'accord. Et mince, reviens, parfait. Lui, normalement, je peux le manger. Eh ben non, effectivement. Il n'y a pas de pièce rouge. Oh là là, mais vous êtes sérieux? Mais alors, elle est où, cette pièce? Il n'y en a pas là? Non, ça, c'est des pièces normales. Je vois pas parce que j'ai pas vraiment tant que ça le sentiment d'avoir loupé une pièce. Alors, je pense qu'en fait, je sais. Elle doit être là, à gauche, là où il y a les tombes. Par contre, il y a quand même un truc... Enfin, là où il y a le tombe, il est tout seul. Il va falloir m'expliquer un truc. Quel était l'intérêt... Oh, ok, bon... Très bien. Mais quel était l'intérêt de me bloquer en fait? Quel intérêt de mettre ce genre de truc? Alors déjà là il sert à rien parce que tu peux passer. Donc voilà, enfin je le fais pas parce qu'il y a les flammes, mais oui tu peux passer, donc je vois pas l'intérêt de l'avoir mis. Mais celui là-haut je vois pas vraiment non plus l'intérêt de l'avoir mis parce qu'en vrai, surtout quand tu fais un effet qui fait que genre le monde entier, enfin tout le niveau devient en noir et blanc, tu peux pas obliger de récupérer des pièces rouges, sachant que genre il y a des grandes chances que tu les vois pas quoi. Ok, ok, très bien, parfait. Ok, alors ça, j'avais pas galéré, hein. Donc je vais faire attention. C'est surtout leur génération, ces machins-là, parce que ça dépend où elles sont, en fait. Et je pense que là, je vais attendre beaucoup de cycles pour pouvoir appuyer, non? Non, c'est bon, je vais pouvoir y aller au prochain, là. Voilà, à partir de Mutayoshi, c'est bon. Mais tant que tu l'as pas, c'est galère, voilà. Parfait. On s'en débarrasse. Et ensuite, on va pouvoir continuer ce niveau. Mais franchement, comme je l'ai dit, bon, je pense que je l'ai déjà dit plusieurs fois, mais obliger le joueur à se suicider pour continuer un niveau, c'est la pire chose à faire. C'est franchement la pire des choses à faire. C'est une erreur qu'il faut jamais, jamais faire. Et comme je l'ai dit, ce truc-là ne sert à rien. Que tu l'aies mis ou pas, ça change rien, si. Genre, c'était parce que tu voulais obliger les picots à rester dans cette zone. Bah, t'aurais pu mettre les donuts. Parce que les donuts, genre les plateformes donuts, elles s'effondrent. Donc comme ça, tu peux toujours passer. Les picots, ils sont bloqués. Donc ouais, je vois pas trop pourquoi l'avoir fait. Si ce n'est pour me piéger. Ah, mais c'était la fin. Ah bah ça va, ok, d'accord. Très bien. Bref. Par contre aussi, je le trouve stylé quand même, cet effet qui passe tout en noir et blanc.
Mais dans un niveau où on te demande de récupérer soit des champis rouges, soit des pièces rouges, ne mettez pas le truc en noir et blanc, parce que sinon moi je peux pas voir. Et je suis pas le seul, je pense. 12 minutes, alors que le record c'est 3 minutes. Pff, trop nul. Donc un niveau de GK Lele qui s'appelle Seesaw Cruise in the Jungle, qu'il a fait pour les 1000 points créateurs. Félicitations pour tes 1000 points créateurs. 3% de réussite. Ah. T'as eu 1000 points de créateur en tout, mais là par contre t'as eu que 5 heures. Hein. Parce que ce niveau doit être un petit peu trop dur, non? Peut-être, je sais pas, j'ai peur. Ouais, ça m'attend pas. Ok, c'est bon, ça fait demi-tour quand même. Il y a un truc là? Mais oui, c'est intéressant. Mais oui. Ça commence bien, parfait. Voyons voir, il y a des trucs là-haut? Probablement. Bah ouais, mais c'est cool, mais alors la plateforme elle sert à quoi en bas? Je dois aller suffisamment vite pour la rattraper ou quoi? Merci. J'ai l'impression d'avoir trouvé des... Aïe, un super secret. Non, je dois redescendre là. Il est où? Ah bah il est là. D'accord. Eh mais eux ils sont gênants hein. Ah ouais, surtout qu'en plus ça fait des mouvements super bizarres. Ah bah il les a fait tomber dans l'eau. Ah bah ok, d'accord, très bien. Et là il y a quoi? Ça me va, parfait. C'est exactement ce qu'il faut dans un niveau pareil. Comme ça, il y a un truc tout là-haut. Ok, il y a rien. What? Ok, parfait. Mais c'est parfait. C'est exactement ce que je voulais. C'est génial. Non. Et là, je peux pas y aller. Oh mince, sérieusement. Sérieusement. Bon, là, il y en a une autre. Il faut que je la ramasse. C'est essentiel. C'est une question de vie ou de mort. Voilà, il y a rien là. Non. Parce que comme ça, tu peux te débarrasser des ennemis. C'est ça le plus important. Parce qu'en fait, la difficulté dans ce genre de niveau, il y en avait un comme ça dans New Super Mario Bros. You, oui, peut-être les deux. Je crois que c'était sur Wii. Et en fait, ce niveau effectivement était un peu complexe parce que justement, tu pouvais rapidement te faire dépasser par le nombre d'ennemis qu'il y avait. Sinon, de base, il est pas si difficile. Et j'aime bien ce concept. Je trouve ça cool. Après, c'est le genre de niveau que malheureusement, tu peux pas trop accélérer. Enfin, quoi que, lui, je pense que. Ok, il y a un truc qui est tombé là. Je pense que tu peux quand même l'accélérer, à mon avis, si tu... attendez, je vais essayer d'avoir ça. Ouais, je pense que... En fait, t'es pas obligé de rester sur la plateforme. À mon avis, tu peux directement continuer. Mais je suis pas tout à fait sûr. Mais il y a moyen. Alors, ok... Tombe. Non, ça n'a pas marché. Oh non, mais je peux pas les tuer. Mince. Et ça les embarque tous. Ah d'accord. Alors ça va être un peu compliqué par contre. Surtout que là par contre t'es obligé de rester sur la plateforme. Ouais mais il est bête. Ok, enfin ils sont bêtes. Oh, ça me va. J'aurais dû m'accrocher en hauteur. Ça m'aurait sauvé la vie. Mince. What? Ah mais si. Pourquoi j'y ai pas pensé plus tôt? Ah bah d'accord, ok. Mais oui, les Galumba on peut les jeter sur les Wigglers et ça les tue. Pourquoi j'y avais pas pensé plus tôt effectivement? Parce que je suis pas très malin. Non. Ah mince. C'est pas grave, c'est pas grave. Et ouais, on pouvait gruger, je pense. Ah non, avec la liane, peut-être pas. Avec la vigne, plutôt. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Bah si, exactement ce qu'il faut. Par contre, je vais essayer de pas me faire toucher, voilà. Attends-moi. Ouh. Le truc, il a avancé sans moi. Non. What? Qu'est-ce que je fais, là? Qu'est-ce qui m'arrive? Je dois aller là? Ouais, non, merci, c'est pas sympa ça. Je vais le garder avec moi. Non, je vais pas le garder. Quoi? C'était un piège ça? On redescend là? Qu'est-il en train de se passer? Je ne comprends pas ce qui se passe sur ce niveau. Mais what? Non, je devais rester dessus et je suis tombé. Donc là, je vais me suicider, c'est ça? Mais non, mais c'est pas sérieux. Mais qu'est-ce que je disais sur ça, justement? Bon, nous revoilà ici. Alors, j'ai toujours pas vraiment compris ce que je dois faire, en fait. Hein. Oh non, non. Il nous laisse une chance. Ok, il redescend. Mais je sais pas trop, parce que... En fait... Ce truc-là, il sert à quelque chose. Pourquoi il y a un passage, là, ici? C'est bizarre. Je sais que je dois pas y aller. Hein, il y a quand même de grandes chances. Et maintenant? Ouais, d'accord, on remonte. Mais attends, mais... What? Mais non, mais... M'énerve. Non, mais c'est une blague. Là, je me suis bloqué avec les Wigglers, d'accord, très bien. Bon, j'espère que ça redonne quand même une fleur de feu. Ok, c'est bon, ça donne pas un champi. Parfait. Bref, c'est bon, là, on peut y aller? J'ai eu peur que ça embarque les Wigglers avec. Ça n'empêche que je comprends toujours pas trop ce qui se passe là-haut.
Ça, ok. Ah bah non, pourquoi je l'ai tué? C'est avec que maintenant, si je loupe, je pourrais plus... Ah, si je loupe, je pourrais plus me suicider. Mince. Lui, il est vraiment là. Enfin, tu peux pas ne pas te faire toucher, j'ai l'impression. Ok, très bien. Il va tomber, je pense. Mais qu'est-ce que je dois faire, là? Je dois monter comme ça? Je sais pas. C'est super galère, hein. C'est trop galère. On peut pas, hein. On peut pas... Si, enfin... Oh, bah, pour y redescendre. Ah bah merci, c'est gentil. Je sais pas trop par quel miracle j'y suis arrivé. Mais j'y suis arrivé. C'est ça le plus important. Ça, je ne l'active pas. Je le prends, mais je l'active pas. Parce que je pense qu'il faut redescendre. Il faut redescendre avec ça. Ok, très bien. Allez, on descend ensemble. Ouais. Je sais vraiment pas trop à quoi sert le truc de gauche. Hein, mais Oui. Et maintenant, j'ai plus de plateforme. Enfin, ça va. Donc maintenant, normalement, je peux plus perdre. Vas-y, je peux perdre, mais plus à cause de la plateforme. Ok, je comprends. Oh, ça m'a perturbé ça. Ça m'a fait super peur. En plus, ça pouvait même pas me toucher. Je sais même pas pourquoi j'ai paniqué comme ça. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Je dois le laisser aller sur la petite note de musique. Voilà. Je ne vois pas ce qui se passe après. Je suis désolé, je ne vois pas ce qui se passe. Ah, il doit faire... Ok, il doit faire exploser les trucs qui sont là. Eh, il a fait exploser les deux, merci, c'est gentil. Enfin, elle, plutôt, elle. C'est une petite bombe. Aïe, ok, j'espère que je vais quand même pas mourir maintenant, après tout ce que j'ai réussi à faire. On y va doucement, doucement. Ah, mais elle est là. La plateforme, elle est revenue? Ou c'en est une autre? Je sais pas trop. Doucement. Il y a quoi, là? C'est bizarre, hein. C'est peut-être la suite, je sais pas, il faut un checkpoint. Oui! Oh, Dieu merci. C'est bon, parfait. Ok, non, 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 non. C'est bon. Alors, ce passage en mode vertical, il était quand même un petit peu chaud. Hein. Enfin, surtout qu'il fallait pas la perdre, la plateforme, en fait. Et que si tu la perdais, bah après, tu te retrouvais à devoir tout recommencer. Et ça, c'était un petit peu relou. Maintenant, tu devais pas tout recommencer parce qu'il y avait le checkpoint avant, mais bon, quand même. Ah, si je prenais le tuyau rouge, j'arrivais là-haut. C'est bon, j'en ai rien à faire des 30 pièces. Hein. Je pense que je vais pas prendre de risque et que je vais rester là. À quoi que. J'ai plus beaucoup de temps, hein. J'ai plus beaucoup de temps alors que j'ai activé le checkpoint. Qu'est-ce qui se passe? Mais pour finir le niveau d'un coup sans checkpoint, ça doit être bien compliqué, hein. Je sais pas comment ce qui se passait là. Je devais les embarquer avec moi, les petits bonhommes? Je ne crois pas. Je sais pas pourquoi je les aurais embarqués. Alors, on va rester là. C'est bizarrement trop facile, là. Pour finir ce niveau, c'était étrangement trop facile. Mince, il y a plein de pièces derrière, on peut même pas les récupérer. Eh, il était quand même cool comme niveau, même si, bon, ça m'a arraché un peu les cheveux, cet endroit où à chaque fois t'étais obligé de te suicider, mais sinon, non, il était quand même super sympa, j'ai bien aimé. Après, il y a quand même un truc que je me demande, c'est, pour tous les passages qui sont horizontaux, est-ce qu'on avait vraiment besoin de la plateforme? Je pense qu'en fait, non. En vrai, tu pouvais aller dans l'eau et avancer, 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 c'est peut-être comme ça, justement, que tu pouvais gagner plus de temps. Mais bon, je pense, hein, faudrait tester. Dans tous les cas, les amis, nous, on va en rester là pour cette vidéo de Super Mario Maker 2 sur Nintendo Switch. J'espère que ça vous plaît toujours. N'oubliez pas de laisser plein de pouces bleus, de commenter, de vous abonner. Et on se retrouve très bientôt pour la suite. Donc, d'ici là, portez-vous bien et à la prochaine. Salut!